Mort de France Gall, la chanson du Cid Action, sa raison d'être, avait au départ été écrite pour elle. Qui ne se souvient pas de la chanson Sa raison d'être ? En 2008, le tube fait un carton, réunissant les plus grands artistes de la scène française et Ndash, Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel et Ndash, en un seul titre et dont les nombreux bénéfices sont reversés à l'association Cid Action au profit de la lutte contre le sida. Derrière ces notes et ces paroles se cache Pascal Obispo, qui les avait à l'origine composées et écrites pour une toute autre raison. Auteur invité ce mardi 9 janvier dans l'émission Bonjour, la France présentée par Daphné Bull, RK sur Europe 1, Pascal Obispo est revenu sur la disparition récente de France Gall, emportée le 7 janvier dernier par un cancer, dont elle avait caché la récidive. Très touché par la mort de l'artiste, qu'il considérait comme la référence de la vraie chanteuse française, il a confié non sans émotion, avoir failli collaborer avec elle. En 1997, alors que France Gall doit affronter la mort de sa fille Pauline, 5 ans après celle de son mari Michel Berger, Pascal Obispo est sollicité par Luigi Calabrose, alors patron d'un label chez Sony, il m'appelle un jour et me dit, il faut absolument que tu fasses un album pour France Gall. D'abord réticent à l'idée de se substituer à un génie comme Berger, Pascal Obispo finit par accepter sans trop y croire, mais pour le plaisir de rencontrer France Gall. Hyper s'ensuit le rendez-vous, Raphaël Lamborghler, le fils que France Gall a eu avec Michel Berger, nœud de la rédaction était derrière, avec France sur le canapé, c'était il y a 20 ans et moi je dois jouer des chansons. C'était très difficile parce que je n'étais pas très convaincu. Parmi ces titres, sa raison d'être, que France Gall a finalement refusé de s'approprier, je me souviens très bien du mot gentil de France, c'est Michel mais ce n'est pas Michel. On ne remplace personne. J'avais fait ce que j'avais pu. Point.